La forteresse de Svengard. Mon but. Les vrais guerriers vikings n'avaient que trop longtemps dépéri sous le joug de leur société, de leur clan, de leurs lois. Nous allions ouvrir leurs portes pour rétablir l'ordre légitime du monde. J'avais des questions. Madame, pourquoi cette forteresse? À première vue, ce n'est qu'une réserve. Oui. Et c'est pour ça que nous sommes là. Ces barbares, ils ont l'air d'honnêtes gens. Pas vrai? Ils se soutiennent mutuellement, comme s'il n'était qu'une famille. Mais ce n'est qu'une façade. La nuit tombée, ils se sautent à la gorge, tout comme nous. S'il y a des loups parmi eux, ne faut-il pas les libérer ? J'avais de nouvelles questions. Cette fois, les réponses tarderaient à venir. Des catapultes ! Ne vous arrêtez pas ! Le scepticisme équivalait à la mort. Mais l'intégrité exige le doute. Je ne pouvais rien faire d'autre que de protéger le bélier et de prier. Oh!
servants. Voilà toujours un souci de réglé. Thank you.
devions protéger le bélier et nous en servir pour enfoncer la porte. Relève-toi. Notre intrusion signait l'arrêt de mort des Vikings. N'était-ce pas la raison de notre présence? Les forteresses, j'en avais déjà assiégées. Alors pourquoi ce trouble-là? Mes allons.
Je sais maintenant ce qui me hantait alors. Va donc en enfer. Mercy. Qu'est-ce qu'on fait là? Tu le sais très bien. On les affame. C'est là qu'ils stockent leurs céréales. Il n'y aura pas d'autres récoltes. D'ici l'hiver, ils s'entretueront pour s'approprier le peu qu'il restera. J'ai juré de combattre. Pour la paix. Toi aussi. Vous tous. C'est vivre. Pourquoi est-ce qu'on ne brûle pas tout? À ton avis, qu'adviendrait-il des clans si nous le faisions? Ils mourraient de faim. Ils s'uniraient. Mais si nous leur laissons juste de quoi en nourrir deux ou trois, ils s'entretueront pour avoir les restes. Et les loups parmi eux s'éveilleront. Nous ne venons pas pour les tuer, mais pour leur révéler leur véritable nature. Les libérer. Il est temps de rentrer.